Le volume utilisé dans la présente capsule vidéo est disponible gratuitement sur le site fiscalité-uqtr.ca. Le présent volume est mis à jour annuellement. Assurez-vous d'utiliser la version à jour. La présente capsule vidéo traite des éléments affectant le calcul du revenu de bien. Tel que déjà mentionné dans une capsule vidéo précédente, on peut distinguer le revenu de bien comme étant un revenu passif, c'est-à-dire un revenu qui est gagné sans effort ni expertise, contrairement aux revenus d'entreprise. Les trois principales sources de revenus de biens sujets à l'étude sont les revenus de dividendes gagnés par la détention d'un placement en action, les revenus d'intérêt gagnés par la détention d'un placement en obligation ou en créance, ainsi que les revenus de location gagnés par la détention d'un immeuble locatif. L'étude du calcul du revenu de bien se détaille sommairement en trois étapes. Tout d'abord, nous allons voir les éléments à inclure dans un calcul de revenu de bien, les éléments qui sont déductibles dans un calcul du revenu de bien, et finalement, une fois le revenu de bien calculé, nous allons nous poser la question dans quelle déclaration de revenu devrait être inclus ce revenu de bien. Les règles d'attribution étudiées en dernier lieu répondront à cette question. Débutons tout d'abord l'étude du calcul du revenu de bien en identifiant quels sont les éléments qui sont à inclure. Voici les principaux éléments à inclure dans le calcul du revenu de bien. Quant au revenu d'intérêt, ce dernier doit être calculé sur une base de caisse lorsqu'il est gagné par un particulier, alors que le revenu d'intérêt doit être calculé sur la base de la comptabilité d'engagement lorsqu'il est gagné par une société. Quant au revenu de dividendes. Un particulier doit inclure dans son revenu tous les dividendes reçus dans l'année. Une particularité s'applique à ce niveau, c'est-à-dire que les dividendes encaissés par un particulier et versés par une société canadienne imposable sont sujets à une majoration et à un crédit d'impôt dans le calcul de l'impôt. La majoration et le crédit d'impôt applicables aux revenus de dividendes varient dépendamment de la nature du dividende reçu. À cet effet, il existe deux natures, soit des dividendes appelés déterminés et des dividendes qui sont autres que des dividendes déterminés. Vous voyez présentement à l'écran un tableau qui résume cette situation. Donc, pour un particulier qui reçoit un revenu de dividende, premièrement, ne se qualifiant pas de dividende déterminé, la majoration applicable au revenu de dividende est de 18 C'est donc dire que le particulier doit inclure un dividende majoré de 18 dans le calcul de son revenu. Une fois rendu dans le calcul de l'impôt, un crédit d'impôt pour dividende sera accordé qui est égal à 11 du dividende majoré. Le crédit d'impôt pour dividende sera étudié en détail dans une autre capsule vidéo. Quant au dividende qui se qualifie de dividende déterminé, le taux de majoration est plutôt de 38 alors que le taux du crédit d'impôt pour dividende est de 15 C'est donc dire que le particulier doit inclure dans son revenu un dividende majoré de 38 et a droit à un crédit d'impôt pour dividendes équivalent à 15 du dividende majoré. Vous remarquez à la lecture du tableau que l'application de la majoration et du crédit d'impôt est exclusive aux dividendes reçus par un particulier et versés par une société canadienne imposable. Dans tous les autres cas, le dividende est imposable de façon régulière, c'est-à-dire sans application de majoration et sans application d'un crédit d'impôt. Finalement, quant au revenu de location, il doit être déterminé sur la base de la comptabilité d'engagement. À l'encontre des revenus de location à inclure, sont déductibles la majorité des dépenses encourues par le propriétaire de l'immeuble et relatives à l'activité de location. Passons maintenant à la deuxième section, soit celle traitant des éléments déductibles dans le calcul du revenu de bien. Voici la liste des principaux éléments déductibles dans le calcul du revenu de bien. Tout d'abord, un contribuable peut déduire dans le calcul du revenu de bien les intérêts qu'il paye ou qui sont payables sur un emprunt qu'il a effectué et qu'il a utilisé en vue d'acquérir un placement générateur de revenus. C'est donc dire que si un contribuable effectue un emprunt et qu'il utilise les sommes ainsi empruntées pour faire l'acquisition d'un placement, dans quel cas les revenus de placement seront à inclure aux revenus de biens. Ce dernier peut donc déduire les intérêts qu'il paye ou qui sont payables sur son emprunt à l'encontre de ses revenus de biens. La déductibilité des intérêts est cependant refusée si les sommes empruntées sont utilisées en vue d'effectuer un placement dans un régime enregistré d'épargne retraite, régime de pension agréée, régime enregistré d'épargne études ou dans un compte d'épargne libre d'impôt puisque dans ces régimes, essentiellement, les revenus de biens ne sont pas imposables. Aussi, est spécifiquement non déductible les intérêts et pénalités payés par un contribuable et relativement à des obligations non respectées en matière d'impôts, de remise d'accounts provisionnels ou de taxes de vente. C'est donc dire que si un contribuable doit payer des intérêts et/ou des pénalités relativement à un manquement en matière d'impôt, en matière de remise de taxes ou d'un provisionnel, les intérêts et pénalités ainsi payés ne sont pas déductibles dans le calcul du revenu. Aussi, sont déductibles dans le calcul du revenu de bien une portion des frais encourus lors d'une démarche de financement. Si un contribuable doit encourir certains frais afin de satisfaire les demandes relatives à une démarche de financement, que ce soit une démarche de financement par emprunt ou par émission d'action, les frais ainsi encourus sont déductibles. Cependant, ils ne sont pas déductibles en entier dans l'année où ils sont encourus. Ils sont plutôt déductibles au rythme de 20 par année. C'est donc dire que ces frais seront déduits sur une période de 5 ans à compter de l'année où ils sont encourus. Une autre règle affecte les déductions dans le calcul du revenu de bien soit celle qui empêche un contribuable de déduire des intérêts payés sur un emprunt ainsi que des impôts fonciers et qui sont relatifs à un terrain vacant, c'est-à-dire à la détention d'un terrain qui n'est pas générateur de revenus. Donc si un contribuable détient un, un tel terrain avec lequel il ne génère aucun revenu, durant cette période où les revenus ne sont pas présents, le contribuable en question ne peut pas déduire les intérêts qu'il paye sur un emprunt et relatif à l'achat de ce terrain, tout comme il ne peut pas déduire les impôts fonciers relativement à la détention de ce terrain. Donc, annuellement, ces intérêts ainsi que les impôts fonciers qui sont non déductibles seront plutôt ajoutés au PBR du terrain. C'est donc dire qu'ils viendront augmenter le coût fiscal du terrain. Une autre déduction admise dans le calcul du revenu de bien est celle des impôts étrangers payés par un contribuable. Tel que le prévoit la règle d'assujettissement, les contribuables résidant au Canada doivent s'imposer au Canada sur l'ensemble de leurs revenus réalisés partout dans le monde. Conséquemment, lorsqu'un contribuable gagne un revenu de placement dans un autre pays, ce revenu de placement se trouve à être imposé par deux pays, c'est-à-dire par le pays où le placement est effectué, ainsi que par le Canada en vertu de la règle d'assujettissement. Conséquemment, un tel contribuable se retrouve dans une situation potentielle de double imposition. Afin d'éviter cette situation de double imposition, la loi de l'impôt canadienne prévoit pour un tel contribuable l'octroi d'un crédit d'impôt pour impôts étrangers payés sur du revenu de placement étranger. Ce crédit d'impôt étant expliqué dans une capsule vidéo distincte. C'est donc dire qu'un tel contribuable se voit dédommagé, en totalité ou en partie, relativement aux impôts qu'il a payés dans un autre pays. La présente déduction, quant à elle, vise à reconnaître le fait que certains impôts étrangers sont payés par des contribuables et ne sont pas dédommagés par le crédit d'impôt pour impôts étrangers payés sur le revenu de placement étranger. Ainsi, cette portion d'impôt payée dans un autre pays et pour laquelle il n'y a pas de dédommagement sous forme de crédit d'impôt au Canada se trouve ni plus ni moins qu'à être assumée personnellement par le contribuable. Conséquemment, le contribuable qui se voit dans cette situation peut assimiler cet impôt étranger payé comme une dépense encourue pour gagner son revenu de placement à l'étranger et conséquemment avoir droit à une déduction équivalente. La déduction est donc calculée de la façon suivante, c'est-à-dire le total des impôts étrangers payés dans l'année par le contribuable, moins la partie de cet impôt qui a été utilisée au fin du crédit d'impôt pour impôts étrangers payés sur le revenu de placement étranger. Voyons le fonctionnement de cette déduction à l'aide de deux exemples. Tout d'abord, le premier, où un contribuable effectue un placement d'une valeur de 10 000 dans un pays étranger. Sur ce placement, dans l'année 2000X, le particulier gagne un revenu de placement de 1 000 Revenu de placement qui est imposable à titre de revenu de bien. Et dans l'autre pays, un impôt étranger de 150 a été payé. C'est donc dire que le contribuable a encaissé un montant net des impôts étrangers payés de 850 Posons l'hypothèse suivante à savoir que le contribuable a droit à un crédit d'impôt pour impôts étrangers payés qui sera calculé sur l'entièreté des impôts étrangers payés, c'est-à-dire sur l'entièreté du 150 comme vous le remarquez à l'écran, si nous regardons les impacts de cette situation dans la déclaration de revenus canadienne du contribuable, dans le calcul du revenu de biens, on demande au contribuable de s'imposer sur ses revenus mondiaux, c'est-à-dire sur un montant de 1 000 Dans le calcul de l'impôt, le contribuable se voit accorder un crédit d'impôt d'une valeur équivalente au montant total de l'impôt étranger qu'il a payé. Donc, on peut dire que le contribuable va voir son impôt réduit d'un montant de 150 Conséquemment, l'entièreté de l'impôt étranger payé a été considérée et allouée au contribuable sous forme de crédit d'impôt. C'est donc dire que dans cette situation, le contribuable ne subit aucune perte relativement à ses impôts étrangers payés. C'est pour la raison que la déduction est nulle dans cet exemple. Transposons-nous maintenant à l'exemple 2 où les données sont exactement les mêmes à une exception près. Posons l'hypothèse que le contribuable a payé 200 d'impôt dans un autre pays et que le crédit d'impôt pour impôts étrangers payés est toujours de 150 Donc dans le cas présent, le contribuable a encaissé de ses activités de placement à l'étranger un revenu étranger de 800 soit le 1000 moins le 200 d'impôt étranger retenu à la source. Si l'on regarde les impacts de cet exemple sur la déclaration de revenus canadienne, on remarque toujours l'inclusion dans le calcul du revenu de bien d'un montant de 1000 Si on va voir dans le calcul de l'impôt, on retrouve toujours le même crédit d'impôt pour impôts étrangers payés d'un montant de 150 Mais cette fois-ci, vous remarquez dans le calcul du revenu de bien une déduction de 50 vous voyez un petit peu plus haut comment se calcule cette déduction-là. C'est la totalité des impôts étrangers qui ont été payés dans l'année par le contribuable, 200 dollars, duquel on retranche la portion du 200 dollars qui a été accordée au contribuable sous forme de crédit d'impôt, c'est-à-dire 150 dollars. Donc le contribuable se voit assumer une perte de 50 dollars qui était irrécupérable, c'est-à-dire c'est un impôt étranger qu'il a payé et qu'il ne récupérera pas sous forme de crédit d'impôt canadien. Conséquemment, ce 50 dollars au moins, est déductible et considéré comme une dépense reliée à ses activités de placement et peut être déduit dans le calcul du revenu de bien. La dernière section affectant le calcul du revenu de bien et traitant des règles d'attribution fait l'objet d'une capsule vidéo distincte.